Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est toujours un grand plaisir de vous présenter cette émission La Voix des Sorties, axée principalement sur les faits des sociétés. Nous revenons aujourd'hui avec une nouvelle thématique intitulée Les mystères de la vengeance. On va essayer au cours de cette émission de comprendre les pourquoi même de l'existence du phénomène vengeance, quelles sont ses origines, quelles sont ses conséquences. Est-ce que la vengeance présente aussi des avantages? On va essayer d'en parler au cours de cette émission avec sur ce plateau notre invité principal, notre consultant maison, Maître Christian Bossembe, promoteur de Congo-Best Télévision, initiateur de l'École de la Sagesse, conférencier, beaucoup de casquettes, voilà. Bienvenue Maître. Salut, cher Hervé. Comment allez-vous? Vous avez oublié votre veste aujourd'hui. Oui, fallait. Une première. Il fallait le faire parce que après, ça va. Tout doux, ça va, très bien. Alors, un premier constat, la ville de Kinshasa est frappée depuis un moment par une sorte d'épidémie, on ne sait pas la qualifier. C'est pratiquement, je dirais, 3 familles sur 4 aujourd'hui sont frappées par des fièvres, la toux, beaucoup des symptômes, mais curieusement ou bizarrement, au niveau du ministère de la Santé et même de l'INRB, personne n'en parle. Alors aujourd'hui, à quel sein la population doit-elle s'évouer pour comprendre ce qui se passe? Bon, ce qui est vrai, il faut dire d'abord que généralement nos maladies qui nous frappent le plus au Congo sont liées à notre environnement. Et c'est généralement la saleté, l'insalubrité, toutes ces choses créent des problèmes sérieux. En fait, le contraire devrait nous étonner. Si on ne tombe pas malade, on doit quand même se poser des questions. Pourquoi on tombe pas malade? Parce que nous vivons dans un environnement qui a réuni tous les ingrédients pour tomber malade. Donc, c'est le contraire qui devrait nous étonner, mais plutôt pas ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est d'ailleurs, on va dire, c'est normal, toutes les maladies que nous avons. Mais d'ailleurs, il faut le dire, on a un système immunitaire collectif très fort au point que vous n'avez aucune idée. Parce que... C'est surprenant d'ailleurs. Surprenant, je te dis. Surprenant, mais alors surprenant. Comment tu peux imaginer que les gens qui vivent dans la commune de Barumbu, où on a aujourd'hui des rigoles parfois délaissées comme ça. C'est-à-dire l'État, dans son irresponsabilité la plus criante, vient curer les caniveaux. Il sort toutes les saletés, les immondices qu'il y a dans les rigoles, on le place sur la voie publique et ils partent. Bizarrement, le soleil viendra, le soleil va sécher cette boue-là qui deviendra une poussière. Et quand ça devient de la poussière, ça va remonter sur les aliments que nous allons consommer tous. Mais curieusement, on ne tombe pas malade. Alors, je ne comprends pas finalement. Non, je ne comprends pas. Et à un moment donné, je me dis, si Dieu devrait avoir une place... Ben alors, c'est au Congo qu'il a une place. Parce que, façon vous guérissez, moi, je ne sais pas comprendre. On parle d'un système immunitaire collectif. Alors, mais en même temps, ça me pousse à dire que si on était propre, imaginons que nous étions propres, que nos rues n'avaient pas de difficultés, qu'on n'avait pas des immondices, qu'on n'avait pas de poubelles par-ci, par-là. On peut faire 5 ans, 6 ans sans maladie. Donc, déjà que nous avons des conditions comme ça, alors... Est-ce que si nous sommes bien, nous ajoutons encore un peu de propriété, on va élaguer la malaria, on va élaguer cette petite vague de toux et tout le reste, ça partira. Parce que nous vivons dans des conditions les plus extrêmes, cher Hervé. J'ai été estomaqué hier, j'ai vu sur 24, il faut quand même le dire, une station d'essence voisine à une maison. Ça dit que je suis le voisin de la station. Et je suis le voisin du réservoir, du puits où il y a de l'essence. Mais nous préparons avec nos gaz, on prépare avec le charbon, parfois l'électricité juste à côté, Benzela courant. Mais donc, nous avons tout. Bref, ce qui se passe au Congo, ici, chez nous, même le diable lui-même en personne est étonné. Et moi, je vous informe qu'au terrain Tchobo à Matete, on veut construire une morgue. Tu imagines? Donc, les gens... On va spolier les terrains comme ça et... Et si tu poses la question à cette personne, il va te dire « Mabende Koiba, Nazo Ibate, Nazo Zon, Nazo Lukambongo ». Donc, au Congo, le seul mal, c'est le vol, en fait. Tu poses la question « Oui, oui, bon, autant me le point, il faut réguler la situation. » Ils disent « Non, mais ils vont dire « Bah, Ibak, la place que tu Ibak, tu Okumba, mais Okumba, Mabé. » Donc, le seul mal qu'on ne doit pas faire dans un pays, c'est le vol. Donc on peut violer la loi, il n'y a pas de problème. On peut vendre sur la route, dans toute la saleté, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est voler. Donc, vous voyez, cette sélection du mal dans un pays comme le nôtre, moi, personnellement, je me dis que c'est très compliqué. Alors aujourd'hui, comment expliquez-vous les silences du ministère de la Santé, même de l'INRB en rapport avec ce qui arrive aujourd'hui dans la ville de Kinshasa? Le ministère de la Santé, c'est ça même l'essence du pouvoir.
Le pouvoir doit prévoir. Est-ce que vous savez que le Congo ne prend pas en compte plus de 4 ou 5 maladies? En tout cas, je peux me tromper. Hein. Mmh. Ça, il faut vraiment que je le dise avec toute la réserve possible. La RDC ne prend pas en compte certaines maladies. Or, sous notre cieux, certaines maladies sont prises en charge. Pas dans tous les pays du monde, mais certains pays, au moins, ont fait l'effort. On dit, on va aller dans ce sens-là. Est-ce que tu sais aujourd'hui, si tu vas au ministère de la Santé, tu poses juste la question. En 2040, combien de Congolais vont attraper le diabète? Ils ne diront pas. Ils ne savent pas comment. Ils ne peuvent pas vous le dire. En 2050, combien de Congolais seront atteints de maladies, de cirrhose de foie, des reins? On n'a aucune projection. Tandis, nous vivons le jour le jour. Or, ailleurs, si vous allez par exemple au Japon, il y a déjà des statistiques qui montrent qu'à partir de 2052, la population risque de souffrir de telles maladies, de telles maladies, de telles maladies. Et c'est en fonction de ça qu'on fait maintenant des dépistages pour voir. On a décelé qu'à un certain nombre de jeunes gens, ils avaient des problèmes de cancer. Et on essaie d'établir un protocole qui fait que nous ayons le plus grand nombre de cancers. Et parfois, on oriente même la politique de l'enseignement sur cette question-là. On dit en 2050, on aura un problème de cancer, il est temps de former des cancérologues. Et c'est maintenant qu'on commence à former des cancérologues sur base de l'échantillon qu'on a eu à prendre. Et ça, ça se passe quand on a une coordination, quand on a une vision. Mais quand on n'a pas une vision, quand on n'a pas une coordination comme ça, bon, on va aller dans ce sens. C'est le ministre qui n'a pas de vision, ou c'est les premiers ministres, ou les présidents de la République. Tous ont des responsabilités. Le président, pour avoir la vision, parce que quand le chef de l'État dit « je veux la gratuité de la santé », oui, mais il faut que le chef donne le contenu de ce qu'il pense de la gratuité de la santé. On parle aujourd'hui de la couverture santé médicale, universelle. C'est bien de le dire, mais c'est quoi son contenu? Et c'est quoi sa faisabilité? Le chef de l'État se limite à dire ce qu'il pense que ça doit être. Le premier ministre se met à travailler pour définir la politique de la santé publique en concertation, bien évidemment, avec le président. Et le ministre a appliqué cette politique-là. Donc, vous n'allez pas demander à un ministre d'appliquer ce qui n'existe pas. Et vous ne demandez pas à un premier ministre d'appliquer une vision qui n'est pas claire. Et vous ne demandez pas à un président d'avoir une vision s'il ne l'a pas imaginée. Donc, ici, la responsabilité, elle est vraiment partagée. Mais surtout, la chose la plus importante à soulever ici, c'est de dire qu'est-ce que l'on pense de quelque chose. Qu'est-ce que l'on pense de notre santé? C'est quoi notre politique de la santé? Il faut dire que la santé, c'est un secteur complexe. Il y a beaucoup de déterminants pour la santé. La santé a beaucoup de liens avec nos frontières, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. La santé a un lien important avec le ministère de l'Infrastructure pour les routes. La santé a pour les grands travaux. La santé a un coût avec le CC, le ministère de l'Environnement. C'est-à-dire la santé, elle est, comme on dit, un ministère transdimensionnel. Donc, il faudrait prendre ça dans cette logique-là, ce qu'on appelle la politique de la santé publique. Très bien. On va parler cette fois-ci de notre thématique du jour. Oui. Nous abordons les mystères de la vengeance. D'abord, commençons par définir les concepts clés, mystère et vengeance. Comment aujourd'hui on peut comprendre d'abord les mots mystère et après les concepts vengeance? D'abord, mystère, c'est ce que l'on ne comprend pas. Mais je voudrais m'apesantir sur la définition du terme vengeance. Vengeance, en latin, tout comme en grec, ça a des définitions, ça a des racines. Vengeance, en latin, ça veut dire « vindicare ». Ceux qui ont fait le latin savent ce que ça veut dire. « Vindicare », c'est dire la victoire. Voyez-vous? Parce que le terme « vengeance » et le terme « justice » sont parentés. Ils ont un lien. Le lien, c'est le siège de judiciaire. Voilà, quand on dit « justice » ou « judiciaire », le siège qu'il y a là-bas, c'est le dicare. Parce que tu vois, par exemple, en latin, justice, c'est judicare. Comme il n'y a pas de lettre J en latin, on dit judicare. Dicare, ça veut dire, jus, ça veut dire droit. Donc, justice en latin, ça veut dire le droit, dire la norme, dire ce qui doit être, dire vrai. Et dire bon. Alors que vengeance, ça veut dire vindicare. Ça veut dire la justice. Ou bien dire la victoire. À l'époque, on appelait ça rendre la justice. Le terme vengeance, dans son sens, ce n'est vraiment pas un terme mauvais. Ce n'est pas mauvais. La vengeance, étymologiquement, ce n'est pas mauvais. La vengeance veut tout simplement dire rendre justice. C'est ça que ça veut dire. Mais maintenant, la confusion, c'est qui rend la justice? Voyez-vous? Qui rend la justice? C'est la pratique qui pose problème. Oui, le sens, la vengeance n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu se réclame comme le seul
à être avengé. Parce que lui, il ne le fait pas avec un, ce qu'on appelle en latin un animus locandi. Il ne le fait pas avec un esprit de nuire, mais il le fait avec un esprit de corriger un fait, quelque chose qui a été mal fait. Mais maintenant, lorsque vous allez en Grèce, en grec, pardon, le terme vengeance prend un autre sens alors, mais là, ça va être avec une certaine évolution. En grec, le terme vengeance, eknox, eknok, ou eknokis, ou eknosis, veut dire tout simplement punir, sanctionner. Mais quand vous rentrez dans punir, vous rentrez dans sanctionner, vous vous rendez compte que ce n'est pas dans le sens de nuire, mais c'est dans un sens de réparer un mal. Donc, même en Grèce ou à Rome, le sens de le terme vengeance, ce n'est pas un mauvais terme. Donc, mais ça devient un terme quand on dit « je me venge ». Là, ça devient un problème. Parce que même dans la conjugaison, à Rome, on ne dit pas « je me venge ». On dit « on venge »,« on me venge ». Voyez-vous ? Donc, on a vengé ma part. C'est généralement deux personnes qui sont habilitées à le faire. L'État pour les hommes, Dieu pour nos âmes et tout le reste. Donc, l'appareil judiciaire, même à l'époque, c'était l'appareil de vengeance. La vengeance dont on parle là, ce n'est pas la vengeance de te faire du mal. C'est la vengeance de réparer. C'est parce que tu as violé les lois, tu as violé le principe qu'il faut réparer. Voyez-vous ? C'est-à-dire que tu as pris la femme d'autrui. Tu as pris une voiture d'autrui. La vengeance veut que l'on reprenne cette voiture que toi tu as pris à autrui, qu'on le lui donne à lui, mais qu'on essaie aussi de faire sentir ce que toi tu as fait sentir à l'autre. C'est-à-dire qu'on va prendre aussi ta voiture. Et c'est ainsi que la loi d'Italien, du Koya, c'est-à-dire quand tu crèves l'œil de l'autre, on va te crèver aussi l'œil. Ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te faire comprendre que ce que toi tu as fait à l'autre, exactement c'est ce qu'on va te faire aussi. Réparer les préjudices. Parce que la Bible dit d'ailleurs clairement, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Exactement. Même la parole de Dieu est claire sur la question. La parole de Dieu va même plus loin pour dire, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous le fasse. Et qu'on vous fasse. Donc, si tu crèves l'œil d'autrui, on va te crèver l'œil. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, on va te crèver l'œil. Si tu es habitué à sortir avec les sœurs d'autrui, bon, ta sœur va sortir avec elle. Si tu es obligé, toi, au message, on va te faire un peu. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'était un appel au bien, un appel au bon sens, un appel à une sorte de justice naturelle. Tu dois être correct pour que les choses soient correctes avec toi. Tu dois être poli si tu veux que l'on soit poli avec toi. Très bien. Mais maintenant, la démarcation, c'est qui doit se venger. Et pourquoi faut-il se venger? Parce qu'avec le temps, les gens ont transformé la pensée de la vengeance en y mettant un peu de haine, en y mettant un peu d'ignorance, et la notion même de la vengeance est tombée. Voilà pourquoi à la vengeance, on oppose le pardon. On dit aux gens, ne vous vengez pas, pardonnez. Mais le pardon que nous accordons n'enlève pas la nature de la vengeance, de Dieu bien évidemment. Parce que Hervé, si moi je te fais du mal, je t'humilie, j'ai fait de mon mieux pour que je te blesse de temps en temps, rassure-toi que moi aussi, on me le fera. Donc tu peux me pardonner, mais je paierai pour ça. Si je ne paye pas pour ça, ça rentre dans la souveraineté de Dieu. Très bien. Dieu lui-même peut dire, bon, pour ça j'excuse. Mais en tout cas, pour la plupart des cas, le monde a dit, tout se paye ici-bas. Très bien. Alors, on va évoluer dans nos relations humaines. À quel moment on peut parler de la vengeance? Quelles sont les origines de la vengeance dans nos relations humaines? C'est des blessures. C'est des blessures. Il y a des blessures. D'abord, les blessures. Il y a des remords. Il y a des remontrances. De mauvais souvenirs. La colère, ça peut pousser à quelqu'un à se venger. Mais vous personnellement, vous en avez connu? Des vengeances. Les raisons de vengeance. Oui, beaucoup. Les raisons pour me venger, j'en ai eu beaucoup. Mais est-ce que je me suis déjà vengé? Je veux dire non. Et ça, Dieu m'entend. Je ne me suis jamais vengé. Du moins, consciemment, non. Peut-être inconsciemment, mais je ne me suis jamais vengé. Non. Mais j'ai eu parfois de la lourdeur d'aider ceux qui m'ont persécuté. Ça, je dois le reconnaître. Un peu de la lourdeur. Mais ce n'est pas que je veux que tu souffres. Parce que Hervé, la vengeance, au-delà de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la vengeance est un grand piège. Non seulement un piège, mais c'est une prison qui tue ceux qui l'intègrent.
Confucius dit, celui qui suit les chemins de la vengeance creuse deux tombes, pour son adversaire et pour lui-même. Mais très souvent, il est le premier à rentrer dans cette tombe-là. Parce que la vengeance t'empêche de voir plus loin. La vengeance, c'est un poids que tu ne supporteras pas. Voilà pourquoi dans l'amour de Dieu, Dieu, comment, parce qu'il t'aime beaucoup, il te dit, ne te venge pas, laisse-moi le faire. Parce que toi, tu ne pourras pas le faire. Vous voyez? Donc nous nous perdons en nous voulant nous venger. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de légitime défense. Tu ne vas pas dire à Dieu, il m'a insulté, moi j'ai insulté aussi. Dieu ne reconnaît pas la légitime défense. Dieu sait, quand tu as été persécuté, tout ce que tu dois faire, c'est pardonner. Quand tu as insulté, tout ce que tu dois faire, c'est pardonner. Dieu ne reconnaît pas le fait que, non, on fini à non, or, tu commences à expérimenter la vengeance, c'est ça aussi, il faut le dire. C'est lorsque tu as la possibilité d'agir et que tu ne le fais pas. Parce que vengeance, on ne reconnaît pas que tu as refusé de te venger quand tu es faible. Je te donne un exemple. Un général m'arrête maintenant. Il me met en prison. Je tape 5 ans. Et puis après 5 ans, je sors. Je dis, j'ai pardonné à ce monsieur-là. Non, je n'ai pas encore pardonné. Je dis que j'ai pardonné, mais je n'ai pas encore pardonné. Je pardonnerai le jour où je deviendrai président de la République et j'ai la possibilité d'arrêter ce monsieur-là et je dis que je ne le ferai pas. Là, j'ai pardonné. Celui qui a expérimenté le pardon, c'est Mandela. 27 ans de prison à cause de la faute d'un monsieur qui s'appelait De Klerk. Et quand il sort de la prison, il dit, je fais de toi mon collaborateur. Ça, c'est le pardon. Mais nous, nous ne pardonnons pas. Nous attendons le moment. On attend notre moment. On a comme un fort. On fait semblant. Oui, à un moment donné, tu fais semblant. Oh, tu tiens assez. Non, tu tiens assez. Tu as un rapport des forces. Et si il battait vengeance dans un minuto. Tu attends ton jour et vie, et puis vous avez des discours comme quoi la vengeance est un plat qui se mange froid. Hein? Non, il faut se la repérer. Paiement, calmement, quand l'autre n'est plus dans. Et puis, tu frappes. Là, tu n'as jamais pardonné, en fait. Tu te venges. Et quand tu te venges, aux yeux de Dieu, vous êtes deux à avoir commis la même infraction. Et Dieu ne comprend pas qu'il s'est vengé, non. Parce qu'il va te dire, quand tu diras à Dieu, Seigneur, ce n'était pas de ma faute, il m'a vraiment humilié. Il va te rappeler l'histoire de son fils qui a été humilié, mais qui a choisi de demander pardon pour ses persécuteurs. Mais ça, c'est un message important. Christ a été déshabillé sur la croix. Il ne faut pas suivre ce qu'on raconte là, la tarasse sous vêtements. Il a été déshabillé complètement sur la croix. Sa nudité a été vue de tout le monde. C'était un jeune de 33 ans. Il avait de l'orgueil personnel aussi. Il avait un peu de la fierté. Il pouvait aussi dire « Non, Nzamoubali » et tout ça. On crachait sur lui. On a enlevé sa tunique. On a joué avec. On l'a traité de tous les noms. Lui qui était saint, mais il a porté le nom le plus sale de l'histoire. Criminel, corrupteur. Des histoires qui ne peuvent même pas lui arriver à l'esprit. Il a été jugé par les hommes que lui-même a créés. Donc, ça veut dire que si vous avez un créateur qui est jugé par la créature. Et on l'amène à la croix. On empêche même à sa mère de lui donner des restes de l'eau. Et quand il a eu soif, on lui a donné le vinaigre. Voyez-vous? Mais pendant tout ce temps, la colère de Dieu voulait se faire manifester. Et il a demandé pardon pour eux, pour ces gens qui les faisaient du mal. Il dit, Limbisabango, baby le kubawa salate. Voyez-vous? Il a choisi. Mais contrairement à Élie, à Élisée qui avait une chauve, mais ici, vous avez un Christ qu'on humilie, qu'on crucifie même. Mais il regarde et il dit, Père, l'imbissabango. Dans Élisée, on va pas dire, mais l'imbissabango, on va dire, mais l'imbissabango, on va dire, c'est un humain. Tu vois la différence. Donc, à un moment donné, il faut qu'on... Quand nous, on est des modèles, notre modèle, c'est Christ. Hein, pour les chrétiens, bien évidemment, pas pour les musulmans, mais le modèle pour nous chrétiens, c'est Christ. Donc, nous devons apprendre à ne pas nous venger, à laisser les douleurs, les difficultés, tout ce que nous avons comme problème entre les mains de Dieu. Ce n'est pas facile, c'est très difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire, mais de quelle manière? La manière la plus simple, Hervé, il faut considérer deux choses. Et si tu considères ces deux choses, tu es bien dans la vie. En fait, Satan et Dieu, sur terre, ils ne sont pas là. D'accord? Sur terre, ici, comme nous vivons, nous sommes des hommes. On vit. Il y a des hommes bons, il y a des hommes mauvais. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes et les femmes sont parfois utilisés par les deux camps, par les deux forces. Soit le diable, soit Dieu. Je te donne un cas. Tu sais que sans Judas, le plan de la rédemption n'allait pas avoir lieu. Donc si Judas n'avait pas joué ce sale jeu-là, Christ n'allait pas mourir. Qui allait les trahir?
Personne n'allait accepter de trahir. Mais il fallait que quelqu'un joue ce rôle-là. Et ce rôle-là, c'était Judas qui l'avait joué. Donc, quand tu dois maudire Judas, il faut réfléchir deux fois. Parce que sans son acte-là, tu n'allais pas être sauvé. Nous n'allons pas être sauvés. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Que les gens ne font que jouer le rôle. Toutes ces personnes qui t'ont humilié dans la vie, ces personnes-là l'ont fait pour une cause, pour te faire grandir. Et moi, j'ai compris ça aujourd'hui. Toutes ces personnes qui m'ont choqué dans ma vie, qui me disaient que ça n'allait pas réussir. Je n'allais pas réussir. Et n'y a si maté. N'y a pas de 18 ans. N'y a pas de kangama. N'y a pas de prison. Toutes ces personnes-là, pour moi, étaient comme des chiens qui me poursuivaient, qui m'empêchaient de m'arrêter et de me reposer. C'est des gens qui m'ont poussé jusqu'à ma destinée. Parce qu'il fallait aller vite. Et Dieu sait que, avec la douceur, parfois tu n'arriveras pas vite. Il faut te mettre un peu de la pression. Mais qui vont jouer ce rôle-là? Ça doit être des hommes. Alors ne prends pas tous ces hommes-là comme des mauvaises personnes. Parce qu'ils t'ont aidé, en fait. Il y a une anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, bon, c'est ce qu'on nous raconte. À l'Équateur, Mobutu était encore étudiant. Mmh. Il était interdit aux gens de venir à Kin sans l'autorisation de prêtre. Et Mobutu, entre guillemets, s'est revenu à Kinshasa sans l'autorisation des prêtres. Et qu'à son retour, on le met à la porte. Et qui l'accuse? C'est son ami qui l'accuse. Il dit non, Mobutu, tu vas attaquer Kinshasa. Ah, quand Mobutu arrive, le sango dit yo, tu Kinshasa, pourquoi t'as raté? Et Mobutu, dans cette colère, il paraîtrait, c'est vraiment dans le P7, Mobutu rentre à Kinshasa et il va faire l'armée. L'histoire deviendra, parlera autre chose, il devient président de la République. Et vous savez, ce monsieur-là deviendra gouverneur plus tard. Par qui les nomme? C'est Mobutu. Parce que Mobutu dit, c'est vous, par vous que le malheur est arrivé. Et c'est pas le malheur, c'était le bonheur. Moi, je quitte la RTGA parce que quelqu'un, enfin, c'est vrai, on m'a viré. Mais on m'a viré pourquoi? Parce que j'ai reçu un membre de l'UDPS, il était candidat député, je le reçois dans mon émission un matin comme tout le monde, comme tout le matin, ordinaire d'ailleurs. Je viens, je le reçois. Et j'ai dit, au lieu de laisser l'invité dire, on dirait qu'il a voulu me contacter, j'ai dit non, Félix Tshisekedi, j'ai comme l'impression qu'il va gagner les élections, il aura plus de 36%. C'est ce que j'avais dit. Et même l'invité s'étonne, il dit, oh, gros, la présentateur, c'est moi l'invité. On dirait que dans la langue, les Sokomoji. Ça dit, ça m'a pris, et je le dis. Mais le monsieur, après, on m'a révoqué. D'accord? Mais c'est à cause de qui? C'est à cause d'un invité qui était venu. Mais ce monsieur-là, je l'appelle aujourd'hui l'homme par qui tout ça est arrivé. Parce que si je n'étais pas chassé, je n'allais pas avoir le courage de faire ma propre chaîne. Et il n'y aura pas Congo, il n'y aurait pas Congo Buzz. Je serais encore en train de travailler pour quelqu'un. Alors, est-ce qu'il faut que je maudisse la personne? Non, je ne maudirai pas cette personne-là. Au contraire, je dois bénir cette personne. Donc, il faut que tu comprennes la vie comme ça. Ça veut dire que dans la vie, le mal, Dieu peut utiliser des gens pour en durcir et noircir ton chemin. Toi, tu risques de croire que c'est des mauvaises personnes. Ils ne jouent qu'un rôle. Parce qu'après, quand ce rôle-là va être terminé, tu vas leur poser la question. Il ne me reconnaît même plus. Il dit, mais Ngaï, lui, il ne connaît pas qu'il t'a fait du mal. Parce qu'il jouait un rôle. Voilà pourquoi, lorsque la mission de Judas était terminée, il a voulu se pendre. Tout simplement parce qu'il ne pouvait pas comprendre. Il était pris par un rôle qu'il devait jouer. Il a fini de jouer ce rôle et il ne réalise pas que c'est lui qui a fait ça. Est-ce que moi, je pouvais vraiment trahir Christ? Mais il faut, si j'étais là, j'allais dire à Judas, c'était pas de ta faute, c'était le rôle que la Providence avait placé pour que tu joues. C'était planifié. Planifié. Parce que la vie, elle est indifférée. Tu sais, ce que nous vivons, c'est indifféré. On a déjà joué cette vie et c'est fini donc. Maintenant, toi, tel que tu es là, il faut que les gens qui te fassent, ceux qui te font du mal aujourd'hui, ne prends pas ça seulement pour des gens méchants, ils ne veulent pas de moi. Non. Prends-le pour des agents. Soit les agents de Dieu qui font le mal, parce que les agents de Dieu aussi peuvent être, te faire du mal. Je te donne encore une autre anecdote. Il y a un pasteur au Nigeria, mais je préfère ne pas citer le nom pour ne pas, ça ne choque pas les esprits, parce que ce sujet-là est assez dangereux. Qu'est-ce que le pasteur là a fait? Il a aujourd'hui une grande église aussi, mais il vient d'un autre pasteur que tout le monde connaît, un grand pasteur aussi. Le pasteur est intègre, il est bien. Mais ce monsieur-là voulait tout le temps être derrière ce pasteur-là, alors que lui, il avait un appel à lui. Mais comme il était tellement épaté par le pasteur, il disait, pourquoi je vais aller faire mon église alors que je suis bien initié avec ce pasteur-là? Dieu l'a appelé plus d'une fois. Toi, je te veux dans ton ministère à toi. Mais lui, il dit à Dieu, mais je ne reproche rien au ministère de ce monsieur. Laisse-moi rester dans ce ministère-là. Et il servait le pasteur que vous connaissez tous avec un cœur.
Mais il ne comprenait pas pourquoi ce pasteur-là n'était jamais gentil avec lui. Il est intègre, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Mais il y avait toujours des blocages. Tout le monde peut demander des services, mais quand on lui demande des services, on ne lui donne pas. Bon, tu n'as pas souvent qu'il rotait, mais lui, on ne l'envoie pas. Il a persisté jusqu'à ce qu'un jour, il a dit un truc qu'il ne fallait pas dire devant les pasteurs, et le pasteur, en humain, s'est fâché, il a mis à la porte. Il dit, je ne veux plus te voir ici. Et quand il est parti, il est très fâché. Il dit, de toute façon, j'ai aussi l'appel, je vais aller faire mon église. Et quand il fait l'église, il garde une certaine rancœur contre le pasteur. 3 ans seulement après, quand on l'invite chez le pasteur, et quand il entre en train de prêcher, c'est là qu'il voit la parole de Dieu qui lui disait, il faut que tu fasses ta propre église. Je te l'ai dit plus d'une fois, mais tu ne m'as pas entendu. Voyez-vous, ça veut dire que les gens peuvent être bons, mais avec toi, tu ne comprends pas pourquoi Simba Kate. Non, parce que Dieu, dans son plan, il ne vous voit plus ensemble, alors arrête de forcer. Quand ça doit partir, vas-y, pars, fais ton chemin. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ils nourrissent maintenant la vengeance. Non, ce n'est pas lui le problème. Dieu connaît. Parfois dans la vie, Hervé, certaines vengeances sont une école. Parfois on a été trop naïf et Dieu veut te réveiller tout simplement. Tu étais naïf. Tu fais confiance à tout le monde, à tout moment et sur tout le plan. Hervé, tu ne peux pas faire confiance à tout le monde et à tout le monde et sur tout le plan. Tu peux me faire confiance sur la matière et l'argent. Parce que je te prouvais que je suis bien en matière d'argent. Mais en matière de femmes, est-ce que tu me connais? En matière de projet, tu me connais? Je ne peux pas te faire confiance à 100%, non. Je fais confiance à LG, par exemple, sur des questions précises. Mais sur d'autres questions, il faut qu'il fasse des preuves. Parce que la confiance est un trophée. La confiance, ça veut dire le respect de ta conscience. Mais il faut que je sache que ta conscience est équilibrée sur une question. Moi, je ne veux pas te faire confiance en matière de femmes, ou en matière d'argent, ou en matière de travail, ou en matière de sécurité, tous en même temps, non. Alors donc, comme maintenant les gens n'ont pas compris ça, on tombe dans « Ah, il fallait l'accès. » Non, parfois Dieu a vu que tu étais négligent, alors il fallait envoyer quelqu'un à secouer au Mamouké. Parfois Dieu a vu que tu étais distrait, il faut envoyer quelqu'un pour qu'il te secoue davantage, pour que tu apprennes que « Ah, il fallait qu'il y ait la tambola, la prudence. » Donc c'est ça en fait la nature de, quand on comprend la notion de la vengeance, on se rend compte que ce n'est pas à nous de nous venger. Il faut laisser Dieu se venger. Alors, comment éviter la vengeance? Considérez le fait que les gens ne font rien pour rien. Considère ta vie comme une architecture, comme un plan, comme un projet. Tu te diriges vers une direction. Mais sur ta voie, tu trouveras des hommes, tu trouveras des femmes qui vont, par leur amour, te pousser à aller de l'avant ou, par leur amour, te pousser à baisser. Et tu trouveras d'autres gens aussi, avec leur colère, avec leur jalousie, avec leur haine, te pousser à aller de l'avant. Parce que dans la vie, les applaudissements peuvent te tuer, alors que les insultes peuvent t'aider à évoluer. Ce n'est qu'à toi de faire le choix. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être poussé par les applaudissements ou tu veux être poussé par la critique? Moi, j'ai choisi d'être poussé par la critique. Donc, les applaudes et tout ça, les compliments, je prends ça bien, on est humain. Ça nourrit notre espoir, notre estime, c'est bien. Mais les insultes et les critiques, j'ai fait beaucoup plus attention à ça pour la simple raison qu'ils ne doivent pas avoir raison. Vous voyez, tout ce qui m'insulte là, que tu connais, avec tout ce qu'ils disent là, je me bats tous les jours pour qu'ils n'aient pas raison. Et la seule façon pour moi qu'ils n'aient pas raison, c'est de ne pas tomber dans ce qu'eux veulent que je tombe. Et c'est ça. Donc, et tu nourris ta vie dans ça, Hervé, tu n'auras pas besoin de te venger. Parce que considère tout simplement que les gens jouent un rôle. Donc Dieu, je prends ça comme une leçon. Donc Dieu me prépare à quelque chose de très grand demain. Alors il veut que je sois beaucoup plus prudent. Je me suis rendu compte que je ne suis pas très prudent et que je ne prends pas soin de la nature. Parce que les gens si vous voulez, excusez-moi, évoluer, il faut suivre la nature, cher Hervé. Il faut lire les temps, il faut lire la nature. Le monde s'arrête sur 3 choses. Et quand tu as ces 3 choses, tu as compris la vie. Il y a le temps, il y a la nature, et puis il y a Dieu. Hervé, quand le temps arrive, quel que soit le cas, ton étoile brillera. Quand la nature décide, quel que soit le temps, quel que soit le cas, quelle que soit la situation,
la nature, quand elle agit, elle agit. Et Dieu, quand Dieu a dit un mot, ben, c'est le mot de Dieu qui va être dit. Donc, tu ne peux pas être chamboulé par les événements extérieurs. Tu dois être sûr de ce que tu fais, d'où tu vas. Et tu verras que toi-même qu'il n'y aura plus de place pour la vengeance. Parce que c'est une prison, c'est une chaîne. La vengeance, c'est la plus mauvaise chose qui puisse exister dans la vie d'un homme. Tu ne peux pas t'évenger. Même si on prend ta femme, tu ne peux pas t'évenger. Ou tu quittes la femme, ou tu la pardonnes et vous continuez. Mais tu ne peux pas te venger. J'ai plein de femmes qui empoisonnent les autres à cause des hommes. Je plains les hommes qui tuent les autres hommes à cause des femmes. Je plains les gens qui se vengent pour des histoires éphémères. Il faut se détacher du matériel. Cher Hervé, tu prends ma femme, je ne te tue pas. Non, je ne peux pas te tuer. Parce que tu l'as pris avec son accord. Je ne peux pas te tuer. Tu tues mon enfant, je ne te tue pas non plus. Non, parce qu'on commettra tous le meurtre. Et Dieu ne voudra pas que, Seigneur, il a tué mon fils, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? On va commettre tous le meurtre. Et Dieu ne connaît pas la légitime défense. Ça, je rappelle toujours. Donc, il faut développer cette capacité-là. Quand ça te dépasse, laisse entre les mains de celui qui peut supporter ces problèmes-là. Il n'est pas naturel, il n'est pas humain, c'est Dieu. Alors, que faire lorsque ceux qui ont les pouvoirs d'évanger tardent à prendre des décisions de manière rapide? J'aime la phrase tarde. Tarde, c'est l'impatience qui te fait dire que ça tarde. Si tu n'es pas impatient, tu ne verras pas que ça tarde. Ça tarde parce que nous pensons que ça devrait être fait. Et malheureusement, l'Église au Congo a formé beaucoup plus des vengeurs, mais des vengeurs par procuration. Voyez-vous? Et ça, on ne le sait pas. Dans notre esprit, on est des vengeurs. Voilà comment on prie. Nzambe, Bamonayo, Nzambe, Lakisa Bango, Tika Bango, Te Nzambe. Nzambe Beta Bango, on le dit. Mais tu poses à une chrétienne la question. Tu as eu ça où? Dans la Bible. Mais qui a dit ça? Je vais dire David. Mais nous, on n'est pas les exemples de David. Nous, on ne prend pas David pour modèle. Ceux qui croient en Christ prennent Christ pour modèle. Donc, quand David s'est prononcé sur une question et que Christ s'est prononcé sur la même question, la vie qui compte, c'est la vie de Christ. Ce n'est pas la vie de David. Mais lorsque David a dit et que Christ n'a rien dit, là, on prend David. Mais malheureusement, l'Église a formé des vengeurs. Je vois ça à l'Église aujourd'hui. Tombola, tomboli, chargé, bêta, fumbola, grenade, fumboli, bamba, il y a la machette, kataye. Mais on dit que c'est spirituel. La machette ne coupe pas l'esprit. Voyez-vous? C'est-à-dire, là, vous avez des vengeurs qui sont là. Boki la mungu na bombe. Allez, qui obotate, retour à l'expéditeur. Oh! Quand on a cru en Dieu et surtout en Christ, il nous demande de prier pour nos ennemis. Il faut comprendre que les combats atteignent une dimension mystico-spirituelle. Non, Hervé, quand on a grandi dans la parole de Dieu, oui, on peut faire ce qu'on fait là. Mais quand on a mûri dans la parole de Dieu, on prie pour nos ennemis. En principe, on devait nous demander, priez pour vos ennemis. Parce que Christ le dit lui-même, priez pour vos ennemis. On va demander quoi à Dieu? Ce n'est pas de la blague. Ah, la prière pour les ennemis. Ouais. Moi, tu sais comment je prie pour mes ennemis? Je dis à Dieu, montre à ces gens que je ne suis pas leur adversaire. Ouvre Bangomissou. Ouvre-leur les yeux pour qu'ils comprennent que je ne suis pas leur ennemi. Et quand Dieu ouvre les yeux de vos adversaires, pour qu'ils voient que vous n'êtes pas leur ennemi, ils se repentissent. Ils viennent à genoux devant vous, vous dire, Nabounsa Opamba. En tout cas, Nandou Batelo Nabounsa Nanaou. En fait, nous devons cultiver un autre état d'esprit. Tu ne demandes pas le malheur à ton pour ton adversaire. Non. Tu ne demandes même pas qu'il périsse. Parce que Christ te dit de ne pas le faire. Alors toi, tu ne m'opposes pas la parole de David. Tu ne m'opposes pas la parole de Élie ou de quiconque dans la Bible. Quand déjà Christ a dit, c'est comme la Cour suprême, elle a déjà pris la décision, ça s'arrête là. Mais nous, on a mis la Cour de cassation, mais du moment où la Cour constitutionnelle a déjà dit, ben, c'est fini. Et c'est comme Christ. Christ vous demande de pardonner à ceux qui vous font du mal. Il a été clair, ce n'est pas, ça ne demande pas de l'interprétation. Il est pardonné. Parce que lui-même sait comment il va rétribuer à chacun selon l'action. Dieu seul sait. Mettons-nous au Seigneur, nous allons punir Bango. La vie, c'est Bango. Mais mettons-nous un peu comme Emmanuel Kant. Comme Emmanuel Kant nous parle de décisions que nous prenons. Emmanuel Kant dit... Posons-nous à chaque fois la question, si tout le monde fait ce que nous faisons, que deviendra la société?
Donc, si tu veux voler pour Emmanuel Kant, quand tu veux voler, pose-toi la question. Et si tout le monde vole comme moi, que devient la société? Si tu veux te prostituer, pose-toi la question. Et si tout le monde se prostitue, qu'est-ce que je ferai? Et donc, c'est la même chose avec ce que je suis en train de dire. Donc, si aujourd'hui, tout le monde doit dire à Dieu, Ndambe, punir l'adversaire, Nanga. Mais toi aussi, tu es adversaire de quelqu'un. Donc, on va te punir aussi. Donc, quand nous demandons à Dieu, Ndambe, yo, qui ça va pas si? Oh, mais finalement, ça me donne, je pas Ndambe, Ndambe, qui ça va pas si? On fait comment? Donc, toujours tout, on est dans la difficulté. Voilà pourquoi Dieu dit, la question de la justice, vous n'allez pas comprendre ça. Il n'y a que lui seul, Dieu, qui connaît les tenants et les aboutissants de la justice. Parfois, il faut remettre le problème et pas naïf. Donc, ça ne sert à rien. Moi, quand je vais à l'église, Dieu m'entend. Quand on dit, moi qui ai la bombe, Dieu m'entend, si m'en a bombe. Là, j'ai mon soldat. J'ai fui à l'enfant des militaires, mais pas la ratique à mon soldat. Souvent, on goûte à la bagarre de l'année. Et puis, il vous dit, Fungola. C'est la bombe spirituelle. Non, tout le monde, Fungola, Fungola, c'est la bombe spirituelle. Mais là, quand on dit Fungola, mais là, écoute la blague. Quand on dit Fungola, grenade où me l'a-t-elle en boucle. Ce qu'on fume, il faut boire déjà. Ce qu'on a passé à la vie, Fungola, ma bosse, elle dit qu'elle s'est mise au Fungola. C'est que les panzani, il y a un boucle, il y a un boucle. Alors, finance, na y a baby, ma complication, la vie, on comprend des bombes, mais parce qu'il y a là, déjà plongé dans l'église. Quand elle m'achète, mais c'est pas possible. Parce que la prière est dirigée par la haine, la prière est dirigée par la peur, la prière est dirigée par la colère. Or, quand on vient voir Dieu et qu'on est devant lui, on doit se débarrasser de toutes ces pressions-là. Il a dit lui-même que je suis la source de l'eau fraîche et vive. Ceux qui ont soif, venez boire. Il dit encore que je suis le chemin. Il dit encore que je suis le repos. Donc, quand tu es fatigué, au même Mukumba vengeance moming, au même Mukumba humiliation moming, que tu es fatigué, dépose. Lui-même, il va le faire. Il dit, gardez silence. Je veux le faire à votre place. Et qui peut faire mieux une chose que Dieu? L'avantage avec Dieu, c'est que si tu lui laisses gérer ton affaire, et il te le donne avec succès, ça veut dire 20 ans plus tard, la personne vient te demander pardon. Ba finga ba tumusu ki ba salaka mabe ainsi de suite. Bango moko ba bandela koloba devant ba tunyoso. Ki na kansela ka mabe na ngo bongote. Là, c'est quand on laisse Dieu faire. Mais quand on veut nous-mêmes régler le problème, on emprunte un mauvais chemin et très souvent, on finit par tomber. Alors, comment éviter qu'on soit nous-mêmes les canaux par lesquels on va chercher à régler un problème? Il faut écouter et avoir un seuil très élevé. Dans la vie, il y avait que vous amoutez en moukoussete. Et dans la qualité, tenez l'on kabatou. Son amoutez en moukoussete, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. Il faut aux alaka amoutez ma moulaï, ma kasi. Il faut avoir un seuil. Et voici, je te dis le nombre de fois où moi, personnellement, j'ai été vexé par des gens, par des proches, par des hommes qui devraient en principe me construire. Mais eux ont choisi de me détruire. Par des mots, par des phrases, par des paroles. On avait tous des raisons de haïr et de faire du mal. Mais à un moment donné dans la vie, tu décides, tu dis, mais je vais aller avec ça où? C'est une charge importante pour moi. Pourquoi j'irai avec? Je dois me décharger de ça. Et tu acceptes d'abandonner. Pourquoi? Tu laisses à Dieu faire. Mais quand je laisse à Dieu faire, je ne laisse pas à Dieu pour que Dieu punisse qui que ce soit. Non, moi je dis à Dieu, répare mon cœur parce qu'il a été détruit. Répare mon âme parce qu'il a été meurtri. Mais ce que tu vas faire avec lui, ça, ça te concerne. Tout ce que moi, je veux, c'est te réparer. C'est que je ne veux plus avoir cette charge dans ma tête. Et tu te limites là. Celui-là qui a fait ça, Dieu va le récompenser dans le lengenaye. Et quand toi, ta vie commence à évoluer, ceux qui ont pensé que tu allais échouer, mais que tu commences quand même à évoluer, mais c'est la plus belle vengeance. La plus belle vengeance qu'on doit réserver à nos adversaires, c'est la réussite. C'est la victoire. C'est de gagner là où ils pensaient qu'on allait échouer. C'est de vaincre là où ils pensaient qu'on allait perdre. C'est de ne pas ressembler à ce qu'ils voulaient qu'on ressemble. C'est à quoi ils voulaient qu'on ressemble. Mais c'est tout ce qui fait la vie de quelqu'un. Donc, quand tu as compris toutes ces choses, tu vois que ça ne sert à rien de te venger. Pourquoi je me vengerais? Quelle est la raison pour laquelle je devrais me venger? Il y a un monsieur qui m'a littéralement humilié dans ma vie professionnelle. Humilié au sens propre. Et je n'avais toujours pas de raison de le haïr. C'est pas qui pourquoi. Est-il? Non, ça sert à rien de le dire. Ancien patron? Non, pas du tout. C'était même un collaborateur d'ailleurs. Alors un jour, il est venu chercher le boulot. C'est vous? Oui, pas chez moi ici à Gongobeuse, mais à la RTGA. Alors qu'en ce moment-là, j'étais directeur déjà. Et on m'avait confié une tâche, la lourde tâche d'ailleurs, j'étais directeur de radio. Alors le monsieur est venu demander l'emploi, il faut dire quand même ce qui est vrai. Il est venu demander l'emploi à la télé, pas à la radio. Alors quand il me voit, il tremble, mais complètement. Il est, tu vois l'homme est par terre. Il se dit, mais
je crois qu'il se rappelle. Parce qu'il faut lui dire une chose. L'oppressé n'oublie jamais l'oppresseur. C'est l'oppresseur qui oublie très souvent l'oppressé. Exactement. Alors, moi, j'étais, dans ce cas, j'étais son oppressé. J'étais l'oppressé, lui, il était mon oppresseur. Parce qu'il m'avait vraiment humilié, mais alors humilié au sens propre. Et je le rencontre. Je lui pose juste la question. Bonjour, Ndeko, tu viens faire quoi? Alors, il a commencé à raconter. Non, mon inaïk, tout koluka. Et puis après, je vois sa demande d'emploi sur la table de mon chef, qui m'aimait beaucoup, Jules Kidinda. Et quand je regarde le truc, je dis, mais je peux balancer ça. Je peux dire à mon chef, maintenant, que je ne veux pas travailler avec lui. Je ne l'aime pas. Je ne l'apprécie pas. Je pouvais le dire. Et bizarrement, c'est à moi qu'on a donné la tâche de recruter des gens. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris son nom en premier. Et on lui a dit. Alors après quelques temps, il me dit, mais... Je lui ai dit tout simplement que mon cœur n'avait pas beaucoup d'espace pour prendre les ennemis. Quoi. Je n'ai pas beaucoup d'espace. J'ai de l'espace pour Christ, parce qu'il a dit qu'il est devant la porte, il frappe, il doit rentrer dans mon cœur. Alors s'il doit rentrer dans mon cœur, comment il va trouver le co-détenu dans mon corps, dans mon cœur? Il doit être seul avec les choses bien. Donc j'essaie de me débarrasser de tout ce qui peut me tirer vers le bas. Donc toi, tu as cru m'avoir fait du mal. Mais en réalité, tu as forgé mon caractère pour comprendre la nature de l'homme. Donc, en principe, tu es un enseignant. Tu es un enseignant de ma vie. Mais il est resté en train de regarder et dit, ah, non, mon kili. Mais je savais qu'il ne le disait pas parce qu'il avait compris. Et puis, c'est comme ça. Donc, quand je vais dans les églises et que je trouve les gens en train de prier, moi, ça me fait rire. Je vois des vengeurs là-bas. Et puis, il y a même des gens qui disent, donc, tu commences même à prier pour la longévité de ces gens-là. Non pas pour qu'ils vivent, mais pour qu'ils voient comment toi, tu as été béni. Et parce que vous pensez vraiment que Dieu peut utiliser... Non, mais les gens ont une mauvaise conception de Dieu, quoi. Donc, Dieu est dans vos bêtises-là, dans vos petites compétitions. Et toute une église est en train de prier pour punir Bangoula Nabango. Mais quelle perversion! Quelle erreur! Ne priez pas pour que Dieu punisse les gens. Priez pour que Dieu vous répare. Parce que quand tu as... J'ai eu mal, d'accord? Je prends l'exemple. Quelqu'un tue mon fils. Je tue son fils. Qu'est-ce qui se passe? On est deux parents qui n'ont pas d'enfants. Donc, le fait de tuer ton fils ne remet pas mon fils en vie. Il m'a insulté. Je l'insulte. On est deux insulteurs. On est deux insulteurs. Il m'a tapé. Je l'ai tapé. On est deux insulteurs. Pourtant, Christ te dit, quand on te tape à la droite, donne la gauche. En principe, il veut simplement dire ce que Martin Luther King dit aussi. La seule façon de te venger, c'est de dénuder ton adversaire, de rendre ses valeurs caduques, le laisser être. Et si on t'insulte et tu ne réponds pas, on t'attaque, tu ne réagis pas, on parle de toi, tu ne réponds pas, ça désarme l'adversaire de la manière la plus scandaleuse. Le gars est perdu. Il est déboussolé. Déboussolé. Parce qu'il dit, mais, allô, bon, belanga nini. Allez, bon, là, roulouba nini, kasi. Et tu mets ces gens-là dans une condition de te suivre tous les jours. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des journalistes qui faisaient des émissions, des plateaux sur moi, m'insulter. Mais je n'ai jamais utilisé mon plateau pour répliquer. Mais là, tu sais ce qui est bien. C'est qu'ils m'ont donné beaucoup de vues. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont placé des gens pour suivre. T'as pas un chrétien. Est-ce qu'elle répond à un gâté? Que ça répond à un gâté. Qui gagne? Moi. Parce que j'ai des vues. Par contre, c'est un gâté. Donc, chaque fois que quelqu'un veut t'insulter, rassure-toi qu'il place des gens pour t'écouter, pour savoir. Bon, t'as un moment dans la statue, est-ce qu'elle a placé le gouvernement à modèle à gâté? Tu vois un peu? Et c'est bizarre, parce que tu te mets dans une prison qui va te consommer les temps et l'énergie. On va terminer l'émission. Excusez. Alors, avant-dernière question, quel rôle peuvent jouer aujourd'hui la famille, l'école et même l'État pour régler la question de la vengeance? Il faut apprendre à enseigner le pardon. Il faut enseigner dès le bas âge le pardon. Il faut demander aux enfants de savoir dire pardon. Et dans le pardon, il y a deux choses. Il y a la profondeur du pardon et puis la sincérité du pardon. Quand tu ne connais pas la profondeur du pardon, ça ne sert absolument à rien. Quand tu ne connais pas la sincérité du pardon, ce que tu ne comprends pas. Donc, il faut enseigner aux enfants le pardon. Il faut enseigner aux enfants l'oubli. L'oubli du mal. Pas l'oubli de la... pas l'oubli de l'acte, mais l'oubli de la douleur. Parce que j'entends les gens dire « Kobosana, Kolumbi, c'est ça, Kobosana, Likambouté. » Soit Kobosana, Likambouba, Salayo, il faut qu'un hôpital, t'es que t'es malade. Tu ne peux pas oublier l'acte qu'on t'a fait. Mais tu dois oublier la douleur que tu as ressentie.
et tous les souvenirs qui étaient, qui allaient avec. Il faut que tu arrives à oublier ces choses. Ça te permet à évacuer certaines tensions de ton cerveau pour prendre d'autres choses. Hervé, la vie est belle, mon frère. La vie est belle. Le coussin le plus propre, le plus adoucissant, c'est une conscience tranquille. Quand tu es libre dans ton esprit, quand tu ne dois rien à personne, quand tu n'as aucune haine pour quelqu'un, ta vie devient longue, tes jours deviennent aussi longs. Et on vit en paix. Moi, tel que tu me vois, Dieu m'entend parler. Je n'ai aucune haine contre quelqu'un, même pas un peu, haine des athées. Mais je hais comme Christ, comme Dieu, le mal. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas la médisance. Moi, les gens qui parlent trop, je ne le supporte pas. Pas que je ne les aime pas, mais je ne supporte pas. Si tu veux m'ennuyer, parle seulement beaucoup. Tu vas m'ennuyer grave. Je n'aime pas les gens qui parlent beaucoup parce que ça m'ennuie. Mais haïr, ah non, je fais de mon mieux pour ne pas haïr. Donc, il faut enseigner aux enfants le pardon. Tu sais, je vais terminer par là. Dans la Bible, vous dites quelque chose de fondamental d'ailleurs. Et c'est la Bible qui l'a dit. Vous priez, pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Non, moi j'aime quand on dit comme. Mais quel jugement dans le langage. Vous dites comme. Est-ce que les gens connaissent l'importance de comme dans cette phrase? L'importance de comme dans cette phrase, c'est mettre Dieu dans l'impossibilité d'agir. Vous voyez? Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui me font du mal. Ah, mais si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Parce que tu as dit toi-même, Seigneur, pardonne-moi comme. Si tu disais même, Seigneur, pardonne-moi parce que je pardonne, on peut faire la part des choses. Mais tu dis comme. Ça veut dire la mesure où je pardonne le bateau, mais pour pardonner le PO. Tu as pris le seul. On prend un petit exemple. Mm-hmm. Tu as pris le seul beignet de quelqu'un. Au quand on te lit, hein. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu tu vois un goumin, mais alors profond. Mais maintenant, toi tu prends ça et tu dis non, on a volé, mais c'est bien, on a volé, mais c'était. Donc quand toi tu vas prier aussi, tu diras Dieu, comme Dieu dira, ok, comme toi tu ne peux pas pardonner tel acte de choses, lui aussi, moi je ne pardonnerai pas non plus parce que à ce niveau tu n'as pas pu pardonner. Donc quand nous prions, nous disons, Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aussi aux gens. Ça veut dire Dieu te pardonnera de la même manière que pardonne pardonnera. Donc, si tu pardonnes 5, Dieu te pardonnera aussi 5. Si tu pardonnes 3, Dieu te pardonnera aussi 3. Et c'est trouvé dans tes propres mots. Tu as dit comme. Mais si tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que moi aussi je pardonne, donc on peut prendre Méli Mélo. Mais les comme est un comme impératif, mais surtout un comme d'instruction. Ça veut dire qu'apprenons à pardonner, même quand ça nous dépasse. Mais quand on n'arrive pas, On demande de l'aide. Est-ce que vengeance et haine marchent-elles des pairs? Au deuxième sens de la vengeance, comme j'expliquais, il faut vraiment la haine. La haine, c'est le moteur même de la vengeance. La haine, si la vengeance était un moteur, en tout cas, la haine, c'est son carburant. Sans la haine, il n'y a pas de vengeance. Parce que ceux qui ont le pardon, ils n'ont pas de haine. Pour pardonner, il faut aimer. Et le contraire L'opposé de la vengeance, c'est le pardon. C'est pardonner quelqu'un. Mais pardonner, il faut de l'amour. Or, pour se venger, il faut une dose de haine, en tout cas. Il faut une dose de colère. Et la haine n'est pas que... La haine peut être une conséquence. C'est-à-dire que quelqu'un t'a blessé et tu as décidé de le haïr en fonction de ce qui t'a blessé. On voit qu'ici, que la haine n'était pas avant l'acte. Donc, la haine est postérieure. Oui, postérieure à l'acte. Elle n'est pas antérieure. Donc... Cette haine que tu as pris comme une charge, tu peux la décharger d'elle. Tu peux la laisser tomber. Très bien. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de haine pour te venger, comme il faut beaucoup d'amour pour pardonner. Dernière question, quelles sont les conséquences de la vengeance? Ça te tue, d'abord. Ça te désoriente. Ça te fragilise. Ça te sépare de Dieu. Ça te fait vieillir. Et tu n'es toujours pas sûr que tu vas l'emporter. Il se peut que même avec ta vengeance, que tu meurs avec. Parce que tu n'es pas sûr que tu gagneras cette victoire-là. Et peu de personnes seulement ont remporté dans cette victoire, dans la vengeance. La plupart sont tombés dedans. Ils ont attrapé des maladies, ils ont attrapé la mort, ils ont attrapé la déroute. Et plusieurs personnes se sont perdues, tout simplement à cause de la vengeance. Donc il faut se battre pour cette pression. Parce que c'est une sollicitation du mal. Le mal te sollicite. Voilà comment ça se passe très rapidement. On me fait un mal. Il y a un esprit qui vient me dire,
Est-ce qu'il y a comment ça le Pénabon? Tu vois un peu. Et ça, c'est une voix qui te parle. C'est la sollicitation au mal, bien sûr. Et puis tu entends toujours une petite voix qui te dit, non, tu peux laisser tomber l'Oïsani. C'est au Tiki, Oïsani. Et il y a une voix qui te dit, mais au Gotika, c'est au Tiki. Ah oui, ça va tout, qui est à Zoba. Alors quand on dirait, non, il faut que ça aille pour aller, que, dans mon lobby, ça l'a reçu. Ça, c'est une sollicitation du mal, en fait. Le mal veut te donner la place de Dieu. C'est exactement la conversation que Satan a eue avec la femme dans le jardin d'Éden. On te dit, mais, oh, à salut au bout. C'est au Tiki et Bongo. Il y a pas qu'on s'en va tout le Donc, Zala, on a pas de bâton sous. À ta pône à yoté. Ça, c'est le mal qui te dit. À ta pône à yoté. Mais c'est là où t'as pône à bâton yos. Pour que Abal de la seule au coronaté. Mais toi, tu n'es pas Dieu. Tu vois, tu n'es pas Dieu. Alors, quand de voix comme ça arrive à te dire dans ton cœur, lève-toi et dis à cette voix arrière de moi, Satan. Ça, ce n'est pas mon rôle à moi. C'est à Dieu de punir cet acte-là. Pas à moi. Ou c'est à la justice de faire ça. Pas très bien. Donc, il faut avoir des réponses quand l'esprit te dit des choses à l'intérieur de toi. Quand ces petites voix qui parlent, il faut avoir, c'est pourquoi on dit qu'il faut avoir le discernement pour discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. La voix du mal et la voix du bien. Toutes les voix sont dans nous. Maintenant, c'est à nous de décider. Très bien, on a terminé l'émission. Est-ce qu'il y a un dernier message? Il faut beaucoup aimer. Il faut aimer. Faites beaucoup l'amour, ne faites pas la guerre. C'est le plus important. Faites beaucoup l'amour. Là, ouais, on risque de le prendre au sens péjoratif. Hein. Dans tous les sens. Ah. Du moment où c'est l'amour, faites-le. L'émission est terminée. Merci, cher Hervé. Pourquoi ça te fait plaisir de faire l'amour? Tu aimes bien? Non, mais faites l'amour, mais ne faites pas la guerre. C'est tout ça. Mais moi, j'ai craint qu'on puisse les prendre au sens péjoratif. C'est la même chose. Ça sera la même chose. Il y a des célibataires ici. Et ils ne peuvent pas. Et ils peuvent faire tout avec l'amour, en fait. Ah. Et ils doivent faire les choses avec amour. Ah, ok. Mais ils ne doivent pas faire l'amour. Eux, ils doivent faire les choses avec amour. Donner avec amour, parler avec amour, pardonner. T'es vicieux, hein, franchement. Parler avec amour, pardonner avec amour, tout ça. C'est ça. Donc, ah, ok. C'est la position que je voulais. Très bien. L'émission est terminée. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Au revoir.